Bonjour et bonne année et surtout bonne santé à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et justement ma première de cette année 2023. Comme je pense vous avez pu le voir dans le titre tout simplement, je me suis fait arnaquer alors complètement. Je pense que ça sera sûrement peut-être pas la dernière, mais c'est la première fois que je me suis fait vraiment arnaquer comme une grosse blonde. Et je voulais absolument vous faire une vidéo sur ça parce que je vous expliquerai juste après. Juste petit aparté, je vous ai tourné une vidéo sur la coloration de mes cheveux et je me suis rendu compte seulement après que, après avoir posté la vidéo, qu'en fait il y avait un gros décalage au niveau du son, un décalage avec ma voix et le son, et donc du coup j'ai pris la responsabilité de retirer cette vidéo parce que ça me gênait qu'il y ait un décalage. J'ai pas fait attention. En fait, je suis en train d'utiliser un nouveau logiciel de montage et pourtant, bizarrement, c'était nickel au niveau du montage. Mais quand j'ai posté la vidéo sur YouTube, il y avait un gros décalage et c'est une abonnée qui justement me l'a dit. Et donc, du coup, j'ai préféré supprimer la vidéo. Est-ce que je la referais mieux? Je pense, oui, mais peut-être pas maintenant. Alors déjà, j'ai pas des masses de temps et en plus de ça, il m'arrive ça, donc ça m'a fait un peu chier. Désolée aussi pour ma tête, j'ai un shtar qui est en train de pousser juste ici, c'est ignoble, en plus il me fait trop mal. Enfin bref, pour en revenir au but de cette vidéo, alors je sais pas trop comment vous expliquer, on est en hiver donc il fait froid, je vais souvent sur TikTok et j'ai vu une pub sur une paire de collants, donc je pense que peut-être que celles qui me suivent ont déjà été arnaquées par ce site ou peut-être un autre site, je ne sais pas. Ou peut-être que vous hésitez à les acheter. Et donc du coup, sur TikTok, j'ai vu une pub sur une paire de collants et qui avait l'air hyper bien. D'ailleurs, ces collants-là existent depuis un petit temps et j'avais hésité à les acheter. En fait, ils sont effet noir, transparent. Comme si c'était du vin d'énième, sauf qu'à l'intérieur, vous avez cette matière coton. En fait, c'est une matière thermique, très chaud, un peu comme de la laine, je ne saurais expliquer. Et molletonné, mais couleur de notre peau. Et donc du coup, quand on les met, vous avez ce côté chaud à l'intérieur. Et à l'extérieur, l'illusion que c'est un collant qui est un peu très transparent, noir, transparent, en vin d'énième en fait. Et c'est un peu pour faire, un peu pour tricher quoi. Genre j'ai mis des collants très fins, noirs, mais en fait à l'intérieur c'est couleur peau, mais c'est molletonné et du coup j'ai pas froid. Et je trouvais ça hyper intéressant et hyper sympa et hyper pratique. Donc je me suis dit que j'allais tester et aussi vous en faire une vidéo pour vous dire si c'était bien ou non. Alors j'ai regardé plusieurs sites internet et je voulais regarder sur YouTube des vidéos de youtubeuses qui avaient justement investi dans ces collants-là. J'ai trouvé aucune vidéo. Je sais qu'ils les vendent sur AliExpress, il me semble, et sur plein d'autres sites. Moi, j'ai peut-être choisi le mauvais site. Donc, le site internet s'appelle Deancy. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour justement éviter d'aller sur ce site internet. Et je crois qu'en plus, il est en maintenance. Enfin, il est vraiment bizarre, ce site. Apparemment, depuis quelques temps, il est en maintenance. Enfin bref, j'ai regardé sur YouTube et sur plusieurs sites pour avoir justement une référence, pour être sûre d'acheter sur ce site internet. Parce que j'ai quand même longuement hésité. J'avais mis, surtout qu'il y avait une offre de fin d'année où c'était les deux paires de collants à 20€, donc 19,90€. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt rentable et plutôt pas mal comme offre. Vous en aviez une autre aussi, si vous en y achetez deux fois deux, vous aviez une promo, etc. Alors que de base, il devait coûter peut-être 30€ la paire de collants, un truc dans le genre. Je peux plus vous dire, et de toute façon, le site est en maintenance, donc je n'ai plus trop les références de prix. Bref. Et donc, du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Pardon.
Donc j'avais mis dans le panier, etc. Et j'avais attendu et j'avais regardé des infos et je n'ai jamais trouvé d'informations, ne serait-ce que sur YouTube, de ce site internet. Donc je me suis dit que c'était un site fiable. Quelle erreur. Et donc du coup, je reçois un mail en me disant, vous savez, des fois quand vous mettez des articles sur des sites internet en panier, des fois vous recevez un mail en disant, eh oh, valide ton panier ou ton panier est toujours là, machin, n'oublie pas. Et j'ai reçu ce mail-là de ce site internet. Et en plus de ça, un code promo qui était valable donc, avec la promo. Et je me suis dit, bah, c'est top quoi, parce que j'ai déjà une offre, les deux à 20 euros. Et en plus de ça, j'ai un code promo qui est valable. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, j'achète quoi. Et donc du coup, j'ai acheté début décembre. Et j'attends, j'attends, j'attends. Et le 19 décembre, je reçois un mail. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaie de faire une mise au point. Donc voilà, celui-ci. Comme quoi mon colis est en transit. Hop, je refais. Donc comme quoi ma commande est en route et que ma commande, hashtag DE machin, donc le numéro. Et comme quoi c'est en transit, donc soit j'affiche ma commande pour le suivi. Donc j'affiche et ça me met directement sur leur site internet avec affiché mon panier qui est juste ici. Et mon prénom, merci Clémentine, nani, et ma commande est là où elle doit être livrée. Donc j'attends, j'attends, j'attends. Et à ce jour, nous sommes le 3 janvier et je n'ai jamais rien reçu. Alors entre-temps, je regarde des avis sur Internet. Et là, je vois que beaucoup, 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 beaucoup de personnes en plus dans la même période que moi, donc en décembre, se sont fait avoir, du coup, avec la fameuse offre des 2 à 19 euros et des 4 à je ne sais plus combien, 30 euros, je crois. Donc beaucoup de femmes se sont fait avoir comme moi et sur le même site internet. Et je décide de regarder pour voir si j'ai bien été prélevée. Et j'ai bien été prélevée, donc juste le lendemain de l'achat de l'article. Et bizarrement, vous savez, quand vous êtes prélevée sur votre banque, vous avez des intitulés, genre Carrefour, machin, Nani, le magasin, Jennifer, l'intitulé du débit. Et moi, l'intitulé, c'était Monsieur Lucomu, Locomu, un truc dans le genre. Et bizarrement, normalement, ça aurait dû être prélevé de site internet Déancy, comment s'appelle le site. Et là, ça a été prélevé de Monsieur Lucomu, etc. Et c'est comme ça que j'ai su que je m'étais fait arnaquer. Donc ça va, c'est que de 17 euros. Certains ou certaines, c'était carrément 50 euros, beaucoup plus cher. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai su que je ne recevrais jamais ces collants. Et c'est dommage parce que ça avait l'air intéressant ce type de collant. Je pense que j'en trouverais peut-être ailleurs, genre sur AliExpress. Au moins, je suis sûre que ce sera un site. Et encore, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà comment je me suis fait arnaquer. Mais je voulais absolument faire cette vidéo justement pour vous prévenir parce que comme je vous ai dit, je n'ai reçu aucun... Enfin, je n'ai vu aucun... Aucune information sur internet, sur ce site, hein, sur ce site en fait, comme quoi c'était de l'arnaque. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je vous prévienne, parce que, surtout que là en plus, on est encore en hiver, donc certains et certaines seront amenés à justement acheter ce genre de paire de collants. Mais faites très, très, très attention, même sur d'autres sites internet, faites très attention, parce que ça va très, très vite. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, on se retrouve très prochainement et très vite. Comme d'habitude, je vous embrasse et encore bonne année et bonne santé, surtout beaucoup d'argent. Et voilà, et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.